plus fort que lui ce soir? Qui est plus fort que Emir, genre sur le papier, tu vois? Ouah, y a des joueurs pros, hein, je pense. Hein. Je crois y a des hard skills, des mecs comme ça. Oh, oui. Oh, j'ai vraiment pas vu hard skill. Hein. Snazzy, il joue. Ah, y'a Snazzy? Non, je sais pas. Ah ouais? Je savais pas que. Mais il fait partie des grands favoris en vrai, ça c'est sûr. Puis il y a les fraudes comme nous, quoi. Bon, allez, vas-y, Mais attends, mais comment tu peux dire. Mets-toi ready déjà, mais attends. Donc c'est ça ta DA? C'est ça ta nouvelle direction artistique? Eh frérot. Attends, c'est que vraiment, j'ai inventé un business là. Attends, mais ta direction artistique, c'est dire que t'es nul au jeu alors que t'as été professionnel il y a à peine 2 ans, genre. Non, mais les gens savent, je suis vieux maintenant, je ne peux plus jouer aux jeux vidéo. Donc si jamais je perds, c'est un exploit que tout le monde va s'empresser de lâcher des bagues. Donc là, c'est un exploit si t'arrives à battre Antoine Daniel et Étoile, genre. Potentiellement, oui. Ah bah ça, même moi j'aurais pas osé alors que c'est ma DA aussi depuis très longtemps. Écoute, mon titre c'était à deux doigts de dire le papy revient sur Fortnite, voilà. Oh putain, t'étais une merde. J'étais sûr, je l'ai écrit après, je me suis dit, bah j'ai mis en fait. Ah ouais. Non mais t'arrives pas à mais tu doser. Vois, regarde, je suis niveau 12, on fait 2 games, t'es niveau 12 aussi. Ouais, bon ça doit être ça, ouais. Non par contre c'est vraiment vrai. Non, j'avoue que niveau 12, par contre je suis surpris, je m'attendais à un niveau 60. Et c'est niveau 12 sous passe de combat XP boosté, tu vois. Ouais, non c'est vrai. Non c'est vrai que je suis un peu surpris. Ah là là. Ah déjà ouvre ta carte, déjà tu vas comprendre que ça a un petit peu changé. Attends mais du coup ça fait 6 mois que t'as pas joué donc t'as pas vu la nouvelle map. Non en vrai j'ai forcé, j'ai joué un peu il y a 2 mois je crois. Il y a 2 mois et j'ai vu la nouvelle map. Je sais plus quand est-ce que j'ai joué. En fait j'ai fait pas mal de squads avec des gens qui sont pas très nuls. Ils sont vraiment ok plus voire bons. Enfin, c'est pas des pros mais genre ils connaissent le jeu quoi, ils jouent bien mais au non, jeu. En no build ou en build? En no build, on a joué en no build. Ah mais du coup t'es peut-être plus entraîné que moi du coup. Oh finalement. Ta gueule. Oh par contre attends j'ai un nouveau clavier du coup. Oh là là. Oh. Ah là tu vas avoir des mécaniques en no build, ça va être bien ça. Aïe, là tu vas cliquer. J'ai un nouveau clavier du coup ça. Attends pour ouvrir la map c'est chiant. Bon écoute. Je vais te révéler quelque chose, je vais te révéler mon plan de jeu pour aujourd'hui, d'accord? Ok. Donc, tu te rends compte, ma stratégie. Mais attends, mais toi mais mec t'es trop fort au jeu, va tuer tout le monde, arrête de nous saouler. Non, regarde. Tu vois sur la carte, là t'as un véhicule qui, enfin une sorte de, vas-y saute. T'as une sorte de fourgonnette qui tourne un petit peu tout autour de la map, tu vois. Ouais. Et en gros sur la carte, on va dire t'as des voitures un peu partout, mais t'as 3 voitures vraiment broken. T'en as une là où je t'ai dit, à Nitrodome, donc le spot vraiment cheaté. Une à Brutal qui est tout en bas, et t'en as une qui est un petit peu en mode convoi un peu partout, tu vois. Moi ma strat, c'est de là de choper une voiture, par exemple tu vois, atterri sur celle-là, n'importe laquelle, une voiture normale. D'aller fumer la voiture, du coup c'est une sorte d'event, tu vois, c'est un peu un bot. Ok. Ah, tu fumes la voiture et tu la récupères. Ouais, et tu la récupères et c'est genre voiture broken. Broken. Ok. Mais du coup, quand t'es fort, c'est ce que les gens vont faire en boucle, quoi. Et du coup, les mecs forts pourront jamais ne pas. En fait, ils pourront jamais perdre. Bah là, dans tous les cas, est-ce que c'est. Est-ce oui, que c'est en vrai, non, mais c'est toujours le cas, mais tu vois, genre. Tu peux avoir. Prends la voiture. Hop. Tu peux avoir ce côté où des fois, il peut se faire arnaquer, il peut se faire bullshit, tu vois. Wow! Ah mais attends, mais t'as un skin de fou? Ouais. J'ai un petit skin, des trucs. On est baisse, hein. On drop sur eux, hein. Ok, bon, là tu vois, il a récupéré la voiture avant nous. Attends. Du coup, c'est chiant. Ah, mais c'était. Je pensais que c'était un bot. Eh, bonne chance, là. Vraiment, bonne chance pour monter la voiture. Bonne chance. Je pensais que c'était un bot. Non. Attends, mais c'est. Non, mais attends, mais c'est ça cette voiture? Mais c'est un bot. Ouais, attends, mais si tu jamais. Je vais me laisser mourir comme ça, tu vas être capté dans ce mec. J'ai aucune chance de m'en sortir avec ça. Mais attends, mais si tu jamais vu? Attends, mais là, vas-y. Est-ce que t'es sur leur POV là ou pas? Oui, non, mais j'ai vu, ouais. En gros, tu vois, le passager, il a accès à une tourelle automatique qui a munitions infinies. Juste, elle surchauffe de temps en temps, tu vois. Attends, mais si tu jamais vu? Attends, mais on va. Mais quand t'es solo, c'est moins fort du coup. Putain, je suis bronze, let's go. Bah, quand t'es solo, dans tous les cas, en fait, le bonus de ces voitures broken, tu vois, c'est qu'elles se régénèrent toutes seules avec le temps et elles ont pas d'essence. Ok. Donc, tu peux vraiment l'avoir toute la game et juste jouer les points de top, tout ça. Mais attends, mais ok, c'est n'importe quoi. Okay. Ah, oui, c'est n'importe. Va direct sur le bus. Ah putain, mais je vais faire ça en vrai. Bien vu la strat. Ah ouais, non mais attends, mais c'est une dinguerie de faire ça. Mais surtout qu'en plus, dans un lobby ce soir où 90% des gens n'ont pas joué la nouvelle saison. Enfin, genre pas 90, mais il y a beaucoup de gens quand même qui n'ont pas trop joué. Bah en fait, c'est pour ça que là, je t'évite d'être dans ces gens-là qui vont être en mode « Ah oui !» Ah ouais, bizarre l'ambiance. Mais en fait, le problème, c'est que si quelqu'un a une voiture comme ça... Bah après, ouais, vu que t'es en solo, ça va.
Parce qu'en fait, vu que t'es en solo, t'as pas ce côté où tu peux tirer avec la tourelle, quoi. Mais juste par contre, t'es un tueur. En fait, si, tu peux switch quand même. Hein. Si, ah, tu peux switch quand t'es dedans. Ah, ok. Bah, enfin, oui, mais du coup, en gros, là, ce qui va se passer, c'est pour ça qu'ils ont dit pas de team-up. Mais il va y en avoir involontairement, tu vois. Les gens vont rentrer dans les voitures des gens pour survivre. Ah, bah ouais. Donc, tu sais, là, par exemple, la voiture qu'on avait, je crois, c'est. Non, celle-là, c'était une 2 places. Mais des fois, t'as de la 4 places. Et bah, tu vas juste avoir 4 mecs dans la voiture et les 4 seront pas ensemble, tu vois. Mais juste, ils vont se laisser tranquille et bonne chance, ils vont rester dans la voiture. Bah, moi, je t'avoue que. Moi, je t'avoue que s'il y a quelqu'un dans une voiture, friendship. Hein. Ah, de toute façon, tu peux pas. En fait, tu peux pas vraiment tuer un mec qui est dans la voiture avec toi, tu vois. C'est surtout ça. Donc, vraiment, juste, tu vas rentrer dans une voiture, ça va être tes potes jusqu'à la fin de la game, quoi. Et vous allez tous faire en sorte de survivre. Ah ouais, stylé. Surtout que t'as des petits items pour réparer les voitures et tout, donc il y a un monde vraiment, t'en as un qui conduit, un qui tire et un qui répare la voiture et ils sont pas ensemble. Ça va être une ah oui, non mais c'est... Attends, mais je pense que les gens ne réalisent pas ce qui va se passer ce soir. Hein. Attends, mais ça va être une catastrophe. Ah ouais, il s'est dit... c'est radar, il s'est dit ouais, bon vas-y. Bah, je pense qu'il s'est dit trop bien, nouvelle saison Fortnite et tout, mais personne s'attendait à ce que Fortnite soit juste Mad Max maintenant, tu vois. Ah ouais. Et vous, en tant que pro, on en pense quoi de la saison? Attends, vous, tu veux dire les pros et pas moi, du coup. Oh, oui, bon, d'accord, allez, ta Zumba, là. En vrai, en compétition, il n'y a pas les voitures. Mais il y a plein d'autres choses un peu vraiment chiant. Tu vois, t'as des sortes de gants, tu joues un peu à LoL. Bah, ouais, tu vois, ouais. Vaille, bah, il y a les gants de Vaille qui sont genre ultra broken. Mais c'est devenu... Tu rentres à terre à tous les builds et tout, ouais. C'est devenu... C'est pas mal. Okay, écoute, changement de plan, tu vois, cette voiture, cette fois-ci, elle est au nord. Okay. On va y aller et en gros, faut essayer d'atterrir sur le gros bus de combat, tu sais qu'on a. Ok, ok, ouais. Apparemment, le chat m'a donné une nouvelle strat, faut piocher les bots qui sont sur le bus et qui utilisent les tourelles automatiques. Ça, tu les tues, tu prends la place de la tourelle et tu fumes la voiture qui est contact à toi, du coup. Wow. Et ensuite, tu rentres dedans. Wow. Voilà, dinguerie. Par contre, c'est vrai que Fortnite, c'est toujours un peu laggy, genre ça utilise tellement de ressources. T'es quoi, t'es en mode performance ou pas? Je me suis peut-être pas mis en mode performance, mais j'avoue En vrai, si tu veux te mettre en mode performance, déjà, ça irait beaucoup mieux, mais surtout, là, tu charges la saison. Ah, c'est pour ça. Ah oui, stylé. Ouais, parce que moi, j'ai... Enfin, je pense que t'as pas un PC... Oh, j'ai un bon PC, vraiment. T'as un bon PC, tu vois, donc en soi, normalement, t'es censé faire tourner le 240 FPS quasiment, tu vois. Ah, mais ouais, parce que putain, c'est... Bon, je suis un peu loin pour le bus. Juste atterrir sur une voiture normale. Tu sais que apparemment les admins ils réfléchissent à interdire les voitures pour ce soir. Ah. Ce qui change. Bah, écoute, c'est vraiment mon seul plan de jeu là actuellement. J'ai peut-être sauvé la cape, mais j'ai niqué ma cape aussi là. Oh non, il a sauvé la cape, mais niqué sa game. Ok, j'ai peut-être ramassé des armes aussi. Parce que vraiment, moi, c'est juste, je rentre dans une voiture et bonne chance. Aucune arme ni rien. Mais mec, t'as 6000 heures de jeu, t'as pas envie d'aller slay ces kids? Bah non, mais surtout, j'ai pas envie de ruiner le tournoi, tuer tout le monde. J'ai envie d'être tranquille et. Mais bro, y a des gens qui vont ruiner le tournoi et tuer tout le monde, hein. Ouais, bah. C'est leur problème. Hein. Bah ouais, t'as. Non, mais surtout, c'est de la nobby. Tu peux pas courir sur tout le monde et tuer tout le monde sans voiture, genre ça n'existe pas. Ok, vas-y, dès que t'es prêt, viens ouais, direct dans la voiture en vrai. Hop les... Putain c'est vrai, putain y'a tellement de... Le no build c'est tellement différent. Ouais c'est dur, en fait tu peux pas vraiment rush comme tu veux. Hein, si tu le fais tu vas te faire arracher quoi. Même un pro, il suffit qu'il ait pas vu un mec qui s'est à peu près visé sur une colline, c'est fini tu vois. Merde. Putain. Je crois que la voiture elle a pas été faite encore. Les amis, la Zumba de Nikov, j'ai jamais vu ça. Et pourtant je suis un expert hein. Mais et pourtant je suis... Ah y'a un mec en face, il est là. Pourtant je suis un expert de la Zumba hein. Je suis quelqu'un qui a maîtrisé ce jutsu depuis très longtemps. Et j'avoue que même moi je suis surpris genre. Ah on va jouer la voiture. Je crois qu'elle a été prise hein. Ah non elle est pas prise encore. Ok, là ton job, écoute, c'est d'arracher la voiture qui est en face, ok. Ok. T'as des armes, c'est celle qui est en face de nous. Ok ouais, là où il y a la tourelle. Ouais, sinon on monte sur le bus carrément. Bah si on y va, je suis sur le bus hein. Et bombarde le truc, vas-y. En gros tu vois son shield, dès qu'il a plus de shield. Vas-y là on va pouvoir y aller. Descends et saute. Et juste tu montes dans la voiture. J'y vais. C'est juste ça le plan de jeu. C'est magnifique. Ah. C'est bon. Ok, et là, appuie sur F. Oh c'est magnifique. Amuse-toi bien mon grand. Bah attends mais c'est Chav. Ah ouais. Ah c'est ça Fortnite du coup. Ah mais attends mais c'est munitions Ah fini. Et la voiture elle se régénère toute seule. Tu vois, regarde, c'est ça les caisses.
Bon, nous, là, c'est une voiture, une des trois voitures broken. Okay. Mais en gros, si t'as une voiture normale, en gros, tu roules sur ça et ça t'upgrade ta voiture, tu vois. Mais c'est quoi ce jeu? Ok. Mais c'est du bonheur, hein. Ah oui, non mais... Ah voilà, et là si j'ai ça toutes les games, bah moi c'est ça ma game, tranquille, après je me promène. S'il y a un bouc qui rentre et qui a la tourelle, bah bien joué à lui, il va kiffer sa vie. Ah ouais, bah, c'est ça ta vie. Sa vie. Après elle est trop bien ta vie. Mais hein. elle est trop bien. J'avoue que t'as zéro ennemi. Hein. Pas de stress au spawn, y'a rien, y'a pas de retour lobby, juste roule toute ma game, j'écrase des gens. Ah ouais. C'est donc ça la vie d'artiste, ok. Et du coup, si tu vas Nitro Dome, en vrai, tu peux t'amuser aussi. Hein. Après, ouais, y'a le bot, mais bon, en vrai, les mecs, je m'en fous de tuer le bot. Genre, vraiment, ça me sert à rien. Attends, mais. Quand Zerator, il va aller sur ta pauvre et qu'il va dire: alors, Nikoff, responsable Fortnite de M8, qui a énormément joué au jeu. Et là, t'es dans ta voiture pendant une heure. Mais ça va être. Non, mais je pense que là, tu te dis: ok, j'ai une strat un peu unique. Ça va être. Ça, non, mais je pense que tout le monde va faire ça, ouais. Mais tout le monde va être en voiture. Et là, même là dans la game, tu vas te rendre compte que Fortnite, c'est tu peux pas jouer autrement en fait. C'est tellement broken que t'as pas le choix. Ah mais c'est PUBG ce jeu là. Et vas-y, amuse-toi bien, hein. Bombarde tout ce qu'il y a dans le truc là. Ah ouais. Attends, mais bah, je pense que game 2... En fait, game 2... Oh salut toi. Oh bah Fortnite. Oh super. Tu vois, il y a un mec, il est rentré dans la voiture avec nous. Mais oui, mais il peut rien faire. C'est notre pote. Mais c'est Fortnite, c'est super. En plus, c'est voilà. Lance-grenade, donc ça pue sa mère. On a 4 potes et lui, bah du coup, il est un peu triste. Il a recover là, il peut plus rentrer. Mais attends, mais c'est incroyable. Mais attends, mais tu sais, je joue à une main là. Ouais, mais moi aussi, j'ai la main dans le falzar, hein, vraiment. Moi aussi, là, je suis à une main, je suis en train de me recoiffer. Bon. Et tu vois, la voiture elle se régénère. Mais attends, mais et c'est si bien. Jamais il y a un moment où c'est vraiment dramatique, au pire on peut aller chercher des caisses qui réaniment, enfin qui remettent la voiture full HP avant qu'elle meure, tu vois. Mais attends, mais et en plus ça c'est le lance-grenade, donc je pense pas que ce soit la meilleure tourelle. Bah en fait t'as deux tourelles, t'as le lance-grenade et la tourelle automatique. Lance-grenade, ouais, en vrai de vrai, ouais, c'est moins fort, hein. Non, c'est très fort, mais c'est plus dur à utiliser. Mais par contre, la tourelle automatique pour fumer les voitures, y a rien de mieux, tu vois. Okay. Enfin, en gros, tu peux juste mettre de la distance et ils vont me tirer dessus. Moi, le mec qui a le lance-grenade, il pourra rien faire. Tu vois, par exemple, regarde, si t'as une voiture normale, tu roules sur la petite caisse là. Et ouais, et t'as les bots, ok. C'est-à-dire, mais en vrai, je pense que, à mon avis, Zerator il a fait ça aussi parce que. Bah tu vois, genre un mec comme toi, t'as juste à rentrer dans une voiture, tu peux kiffer ta session sans te faire rater par les 15 pros qui ont join, tu vois. Et bah en fait non, parce que Zerator vient de dire que les voitures à deux sont interdites. À deux? Ouais, en fait du coup je pense que ces voitures là sont interdites du coup. Les voitures à deux sont interdites? Bah ouais. Après c'est comment ça les voitures à deux? C'est peut-être une info de chat, hein. Ah oui, ils veulent vraiment tirer sur la voiture, c'est ça le plan? Il y a 1000 HP, hein. Tu sais, les voitures de place. Ou est-ce que toutes les voitures sont de place? Hop. Bah toutes les... Ouais, il y a minimum de place. Il y a minimum de place dans chaque voiture, quoi. Ok, d'accord, donc en fait c'est... Bah ça doit être un tox du coup. Bah... Ou alors Zerator ne sait pas qu'il y a pas de voiture... Ouah, je pense qu'il a quand même lancé le jeu, quoi. En vrai. Oh merde, j'ai... Putain mec, j'ai... Ou alors c'est juste que t'as qu'une seule personne qui peut rentrer dans une voiture, donc t'as pas le droit de rentrer dedans, mais ça va être... Ouais, c'est un peu bizarre. En fait, ça va être ambigu parce qu'il y a bien un moment donné, si y a un mec qui te roule dessus, t'as absolument aucune chance, tu vas rentrer dans la voiture et descendre, tu vois. Faire des techniques un peu, tu vois. Ah oui, attends. C'est littéralement ces mots, mais je pense qu'il voulait dire interdit d'être deux en voiture. Ouais, c'est ça. En fait, interdit d'être. Mais en gros, c'est encore plus broken. Ça veut bah dire que ouais, parce que du coup, si t'as une voiture. Si t'as une voiture, t'as gagné la game. Il y a trois voitures cheatées sur la map, les trois mecs qui ont une voiture cheatée, bonne chance. Tous les autres vont être à pied. Bah oui. Mais en fait c'est fini. En gros si t'as la voiture cheatée. Et surtout si t'es tout seul du coup, bah ouais. Tu peux quand même utiliser ta tourelle et tout. Bah ouais, tu peux utiliser la tourelle. Ouais, je pense qu'il a pas lancé le jeu. Ah ouais. Bah attends, mais c'est broken de zinzin. Ah ouais, mais ah, après, ça va être exceptionnel. Après gros, je t'ai dit ma strat, mais je pense que je suis pas le seul à vouloir faire ça, hein. Bah ouais. Y'a un monde où vraiment je regarde ta pop toutes les games, hein. Bah t'es un monde, frérot. Vraiment, ça va juste faire des petites games de Rocket quand tu seras fait éliminer au spawn à Nitrodrome instant. Mais tu sais qu'en vrai, moi je me dis,
Je vais essayer de jouer Nitro Drome ou jouer un spawn agressif et bonne chance parce qu'en fait ça va m'ennuyer de jouer la strat voiture. Moi je pense pas frérot. Hein. Je pense vraiment quand tu vas avoir des mecs qui te courent partout et tu vas juste devoir les écraser, ça va être exceptionnel. Hein. Parce que là c'est une game où on croise personne, parce que c'est une game normale. En fait, là, les gens vont jouer leur vie et tout, y a personne qui va rusher hein, frérot. Mais du coup t'es en train de dire qu'il y a trois voitures fumées par map? Ouais. Mais n'importe quelle voiture peut être utilisée et devenir fumée limite, tu vois. C'est juste que celle que j'ai moi, elle a plus d'HP il me semble et elle se régénère. Ok. Mais les autres sont très très fortes et tout le monde va les jouer aussi. Hein. Non mais mec, c'est n'importe. Mais par contre, je me demande, imagine, il y a genre la moitié du serveur qui est en voiture. Du coup, personne va pouvoir se tirer dessus. Du coup, juste ça va rouler. Bah toute la gamme. Ouais, hein, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment ils ont prévu ça. Aïe 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 aïe. 3 kills et toi Nikov? Un seul. Okay. Tu es donc le carré de cette game. Bah, ouais, et je l'avais dit juste avant. Si tu peux un peu focus s'il te plaît parce que bon. Mais l'instant CRG. Y a pas la surge. Je... Bah ça dépend si c'est vraiment prestack ou pas mais. Oh, ça m'étonnerait qu'il y ait la surge quand même. Je pense pas non. Après on sait jamais hein, tu sais les cups comme ça tout le monde joue vraiment sa vie hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont mourir. Tu utilises le terme cup, mais tu sais qu'il y a 70% des gens qui jouent quasiment jamais à Fortnite. Hein. Ouais, non, mais je le sais. Ouais, c'est parce qu'en fait, le terme. En fait, c'est rigolo. C'est que je pense que ces gens de ta commu, ils pensent que c'est une cup en mode. Non, j'ai désamorcé direct. Oui, ouais, t'as désamorcé. Ouais. J'ai désamorcé direct. Eh hey, gros, ils vont me voir faire un 1v1 contre Ponce, ils vont être en mode matin. Mais c'est quoi? On va trouver, ça va essayer de trouver sa touche pour ouvrir un coffre en pleine cup. Vraiment. Ah, y'a des mecs en face, à l'intérieur. Où le mec? Ok, il est là-bas. Oh, attends, j'ai envie de le tuer. Oh, y'en a un autre là. C'est ciao. Ah, mais tu cliques, hein. Vraiment, tu. Ouais, j'ai clic gauche, chaud, hein. Attends, il est au-dessus. Ouais, attends, j'ai envie de le laser. Il est mathématique, utilise les rebonds. Ouais, il a pris dans le shield. Ah, mais il est avec nous. Un frère. Bon, j'ai envie de tuer le mec là-bas, moins 70. Ça il c'est a... un bot, non hein, c'est un vrai. Non, c'est un vrai joueur. C'est vrai. 700 la voiture. Il est crack. Il est mort. Et attends, vas-y, mal, hein. Je sors et je le fume. Vas-y. Il a 2 HP. Bonne chance. Bonne chance. Wow, c'est des points de vie. Ouais. Il a 2 HP, mec. 2 HP, genre 2. Oh là là, t'es fort, toi. Oh là là. Ok, les gars, on a du champagne. C'est très très beau pour la rota de Poda et Snazzy. Putain, mais tu connais en vrai. Le mec a joué, putain. Ok, les gars, genre juste on se met un peu de champagne. Ah non, j'ai plus la voiture. FF la game. Bah, tu vois, là, c'est une des voitures broken. Hein. Oh, on le fait, je te jure, on le fait. Ok, attends, je me heal. On le fait absolument pas. T'inquiète, bro. Ah, toi, tu vas t'en sortir, t'inquiète. Je clutch. Tu clutch. Il m'a pas vu. Yes. Il m'a pas vu, c'est magnifique. Ah, tu vois, ça, c'est la voiture vraiment broken. Ok, donc en fait, il se passe ça, c'est ciao. Ouais, mais regarde, là tu vas capter. Imagine, là, c'est toi dans le tournoi, il y a ça qui est contre toi. Bonne chance à tous. MDR. Mais c'est quoi cette merde? Et regarde la rapidité du truc, hein. Même si tu mets le HP. Ah, ouais, y'a ça aussi, accessoirement. Non. Mais attends, mais c'est une dinguerie! Ah ouais, et en plus, il avait le mégalodon shotgun! Putain, ouais, ouais. Le mégalodon shotgun! Ouais, c'est d'accord. Mais Ah ouais, donc c'est ça, Fortnite en mobile, ok. Le pare-choc, mais les gars, je sais même pas. Je vous jure, je sais même pas. Wow. Putain, let's go. Et bah, en fait, c'était très marrant. Et moi, je t'assure que ça avait ça toute la cup. Mais là, je pense que là, à mon avis, c'est alerte rouge là, dans la Zerator Army. Là, je pense vraiment, ils sont en train de regarder les quelques lives et tout. Ils sont en mode. Ça va être ça tout le tournoi là. C'est alerte rouge dans la Zerator Army. Mais je pense vraiment que là, c'est la panique à bord. Hein. Ils vont essayer de trouver des solutions. Parce... Oh non, c'est en mode tulu. Oulala. Oulala. On n'avait pas prévu ça. Putain, les gars, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi personne se tire dessus? Nous on est ma gueule. Putain, les gars, on avait promis que c'était pas FFS PUBG. On se fait trop chier.
Attends, du coup, attends, l'annonce sur le Discord. Ah, faut que je check moi aussi. Mais attends, mais c'est une catastrophe. Du coup, c'est... il est prohibé de monter dans un véhicule déjà occupé par un autre joueur. Mais du coup, mais tu vois où les règles. Tu vas sur le Discord FFS. Ah, ok. Mais en fait, c'est ciao. Parce que du coup, ça veut dire que si t'as une voiture, t'as gagné la game, en vrai. Ouais. T'as gagné, non, hein, parce que en fait, je pense que là, il faut une sorte de d'entraide communautaire. On focus tous les voitures. Mais du coup, ça veut dire qu'on team up. Donc, on va tous se faire bannir. Mais en fait, on va tous se faire bannir. Oh, ça, j'ai tellement hâte. Mais c'est ciao. Wow, l'arme que j'ai, incroyable. Je la connaissais pas. Bah, du coup, super. Après, moi, les gars, j'ai un Twitch Rivals à 23h, donc il faut pas que je tarde. Un Twitch Rival de quoi? J'ai un Multiversus. Oh. Ah oui, mais toi, tu dois smurf sur ça aussi, du coup. Ouais, ça, je suis pas mauvais. En fait, il y a une petite arnaque, Nikov, il faut que je te raconte. Non, t'es passé en animateur alors que t'es vraiment un pro. Oh là là. Il faut que je te raconte, Nikov. En gros, ce soir, c'est un Twitch Rival US et je suis le seul européen qui le fait. Et en fait, du coup, c'est un Twitch Rival où t'es en équipe avec un mec qui est vraiment fort et l'autre doit être créateur de contenu multigaming. Non, t'es le créateur de contenu multigaming. Et je suis le créateur de contenu multigaming. Mais ça chien. Bah, je crée du. Là, je joue à quoi là? Attends, c'est qui le mec vraiment fort avec toi? C'est Conny, il est vraiment chaud. C'est un mec que Smash? Je connais. Ouais, c'est un mec de Smash Bros que je connais très bien. Parce qu'on s'est vu plusieurs fois à des events et il est vraiment fort. Attends, mais t'as joué à Versus un peu ou... Ouais, j'ai joué 80 heures à la bêta et là j'ai joué 7 heures hier. Ok. Non, je suis chaud. J'ai à toi. Bah, en fait, il y a des grosses équipes. Je pense qu'on peut perdre, j'ai regardé. Mais par contre, en vrai, on peut aller loin quoi. Ok. On peut aller loin. Le seul problème, c'est que mon perso est devenu nul depuis la. Oh, ok, là, j'ai le chat devant l'écran. Si. Putain, mais Nitrodrome, c'est incroyable, hein. C'est ma maison. Hein. Ouais, c'est un vol. Ah non, mais le chat, par contre, là, ça va pas le faire. Ok. Putain, mais touche. Ah, mais il est amoureux de moi en ce moment, je peux pas. Le chat t'aime trop? Ouais, il se met vraiment, genre, sur l'endroit où je bouge ma souris, mais vraiment. Putain, t'as pas changé, quoi. Ok, hop. Y'a des mecs juste en face là. Ok, ouais, vas-y, on essaie de les jouer. Ok. Il est crack. Là t'es mort déjà. 65. Je cours. Hein. Mort. J ça. Là tu vois, le but de Nitrodrome c'est que là en gros y'a le bot qui a spawn. Et ce bot là, il faut que tu le tues pour qu'il te donne un médaillon. Et ce médaillon te permet de récupérer la voiture. Mais vas-y, c'est Game of Thrones. Comment? J'arrive. Putain, il est à la hauteur. T'as le high ground carrément. T'as le high ground. Oh, derrière moi. Bonsoir. Il est mort. T'es vraiment ce mec, hein. Ah, t'inquiète, hein. T'es vraiment ce mec, sérieux. Vas-y, viens, j'ai un petit peu de champagne pour toi. Ouais, j'arrive. On peut se le mettre à deux, regarde. Putain, pour faire la rota. Putain, mais pourquoi c'est pas de la duo, quoi? Mon rêve, hein. Mais après, t'aurais pas dû jouer avec moi, frère. Je suis mon rêve. Ah, non, mais tu t'aurais pu être l'influenceur et moi le mec multigaming, quoi. Putain, bah ouais, c'est vrai. C'est qu'on aurait pu faire ça, quoi. Ah, ouais, en vrai, je pense que vraiment j'aurais pu passer en multigaming. Ah, bah oui, bah ma bite. Ok, vas-y, viens. Tu vois, lui là? C'est lui qu'on doit farcir. C'est lui. Bon, ça va, il est. Il a pas tant d'HP que ça, en vrai. Ouais, ça va. C'est pas le pire. C'est quoi ça? Et lui, tu vois, il donne un médaillon et une arbalète. Ok. Sauf que la particularité du médaillon, c'est que t'as les munitions infinies. Donc avec l'arbalète, c'est complètement fumé. Et là, en gros, une fois que t'as ça, descends avec moi. Tu vas ici. Et là, en gros, juste tu scannes ta tête et. Ok. Et là, frérot. Et là, t'as gagné la game en gros. Oh, ouais. Si t'arrives à faire ça ce soir et que tu survis, t'as gagné la game. Ok, bah je vais essayer de le faire une fois et si je meurs à tous les rounds, c'est pas grave, y'a multiversus. Ah oui, mais attends, mais on a pas testé cette voiture avec toi en plus là. Wow! Oh, mais la cadence! Et surtout la vitesse de la voiture, c'est nimp. Hein. Elle est moins tankie que l'autre, mais en gros, genre, tu peux juste l'arracher toutes les voitures avec ça, tu vois. Bah ouais, surtout 1700 HP quand même. Ah bah voilà, lui, bonne chance, tu vois. Lui, il est en train de build sa voiture normale. Et bonne chance à lui. Bah bonne chance hein.
Bah joue mieux mec. Ah. Pourquoi il joue pas bien? Ah il est pas très bon hein. Ah il est vraiment pas bon hein. Ah. Le mec là-bas. Bah il est sur la bagnole. Hop. Il est parti par où? Il est là-bas. Dans la voiture encore. Ah lui aussi il galère un peu. Putain il galère, mais tu penses qu'il a déjà joué au jeu ou pas? Ouais. C'est pas un... Putain il a un skill tryhard hein. Bah ça, c'est... Mais les mecs ils veulent passer pour des pros, c'est bon ça. Oh bah en face. Bah tu vois eux ils ont un lance-grenade, mais sauf que bah bonne chance à eux pour toucher quoi. Oh bah stylé en vrai. Tu vois ce soir, celui qui a cette voiture, bah il a gagné la game. Putain mais sa vie... Toutes les games. Mais sa vie va être tellement bien. Il va être si bien. Oh sa vie va être trop bien mec, zéro problème. C'est pas en solo aussi, c'est en solo. Ouais. On est dans le bot, hein. Un peu mais la flemme. Mais en fait, Nitrodrome... Ah, il faut que je spawn Nitrodrome. Mais je crois que je vais spawn Nitrodrome moi aussi. Hein. Mais ouais, mais tant pis mec, on se l'envoie. Au moins, un de nous deux s'amusera ce soir. Eh oui, c'est ça, vas-y mec, on se la règle. On se la règle, j'ai pas envie de jouer. Et tu penses pas que tous les mecs forts vont drop Nitrodrome? Si, pas tous en vrai. Oh mais moi je pense que je vais rester sur ma stratégie du bus. Ça me plaît bien de prendre cette grosse voiture là-bas là. Et le problème des gros spawns genre Nitrodrome ou alors le spawn au sud, c'est que forcément les pros vont y aller, mais... Il suffit qu'un seul pro il soit tout seul là-bas et tous les mecs pas forts ils vont aller dessus. Et c'est fini. Il va gagner la game hein. Après un mec pro il peut quand même perdre Nitrodrome, non? Ou c'est ouais, impossible? Oui, non mais oui. C'est du no-build en fait. Oui, en fait ça, là, en fait, c'est... ta strat toi c'est vraiment de te cacher. Parce qu'oublie pas, tu sais, t'as le mode malentendant. Du coup les pros, ouais, même si toi tu les entends pas, eux ils vont voir tes bruits de pattes quand tu vas te déplacer, donc ils vont capter direct tout et bah... Ouais, s'ils ont l'info t'es mort quoi. Peut-être que le mode malentendant c'est bien broken. Ouais non mais c'est... Tu sais que toute la scène professionnelle joue avec ça hein. Bah ouais. Mais c'est bizarre qu'ils... Bah après le problème c'est qu'ils peuvent pas l'enlever quoi. Bah en fait le souci c'est que Fortnite ils font des trucs pour essayer d'aider un peu tout le monde. Sauf que chaque petit truc qu'ils ajoutent, les pros l'utilisent pour pour gagner pour gagner ou améliorer certains aspects du jeu. Et faut trouver d'autres mecs. Ouais. Putain les gars, jure la K-Corp est sur Street Fighter et Tekken, je le savais pas hein. Je suis surpris de fou. Toi okay. Qui est en bas de table. Ouais, excuse-moi, j'étais en bas de table, frère. Excusez-moi, je suis juste en bas de table, j'ai tourné mon chat. Pas capté l'autre dessus. Comment on peut grimper ici? J'allais dire, tu as fait des rampes, mais tu peux pas en fait. Tu peux tirer au-dessus ou pas? Ah oui, il même là, t'as l'angle. Oh, il est mort. Non, encore au-dessus, je crois. Je le vois pas. Là? Là, oh, il est là, ouais, il est parti. Il est genre juste un peu derrière, j'ai pas l'angle. Je sais pas si je peux faire. De tout casser en dessous. Ça m'a l'air chiant quand même. C'est quoi ça? En fait, vraiment, le seul point faible à ça, c'est les toits quoi. Ouais, les toits, c'est compliqué. À part si t'as le truc lance-grenade. Mais en fait, le problème, c'est que t'as aucun. Ah, tu les vois? En là-haut. Ouais, mais en fait, y'a pas de counterplay en fait. Bah, le counterplay, c'est de l'aspa, mais espérer qu'elle meure. Mais avec la vitesse. Avec la vitesse, frérot, regarde, en 2 secondes, tu t'escapes du truc. C'est abusé. Et tu vas régénérer de la vie passivement, et tu reviens, tu fais ça, tu fais une vie, tu reviens. Tu peux jouer à une main en fait, genre vraiment. Ah oui, non, mais vraiment. Hein. Genre, un pro peut parfaitement gérer la voiture tout seul. Ouais, et tu peux switch. Genre, il fait un petit dérapage, il appuie sur contrôle et là il tire. Et ensuite il repart. Oh, stylé. Et ça va être ça toute la cup. Bah. On va bien s'amuser. Non, mais en vrai, dramatisme, mais je pense que ça va quand même être marrant. En fait, faut voir la game 1. Là. Nice. Ah oui, tu peux les écraser aussi hein. Nice. Mort, l'autre en dessus. En plus ça chauffe bien ton tracking hein. Ouais, mais là tu vois un mode de mal hein. Non, j'essaie de l'envoler. Et là tu vois, on a un HP. Et là le but c'est juste de se planquer. Un HP mec le... Ah, FF. La voiture est morte? Ok, mais on s'est bien amusé. Worth it. Ah là tu vois, ok, c'est fini. C'est fini, mais... ou alors tu retrouves une voiture et tu rebuild une voiture. C'est fini mais on a 10 kills mec. Et ça... Ouais c'est vrai. Après c'est quoi? C'est 2 points par kill là. Oh. L'as eu? T'es vraiment ce mec. T'es vraiment ce mec. Non mais après il fait croire qu'il est vraiment dans les outsiders du tournoi. Ça m'énerve. Oh, l'arbalète, comment c'est broken. Ça m'énerve ce genre de mec. Non l'arbalète c'est grave par contre hein. Quoi cette merde?
Parce qu'en fait, je lui ai mis un hit, j'étais en mode bah je suis mort, mais en fait, il explose, donc c'est n'importe quoi. Ah oui, tiens, teste ça aussi. C'est quoi? Oh, Vi! Putain, je la joue en plus en jungle. Attends, mais putain, mais qu'est devenu ce jeu? What happened to the game I love? Attends, mais essaye! Attends, bah en fait, je tape avec. Et tu veux faire clic droit, envole-toi. Oh, en fait. Ah ouais! Et t'as des charges et ça se régénère. Ah ouais! Et mais... si jamais tu bouges pas aussi, juste t'es au sol, tu peux taper et mettre des coups et ça fait extrêmement mal. Mais en fait, c'est incroyable parce que du coup, tu peux vraiment t'en aller de fou. Vas-y. Ok. Je l'ai pas touché. Elle est la voiture. Touché. Il a un HP le mec. La voiture est vraiment low. Ouais, je vais essayer de le jouer l'autre. Ah, elle a explosé. Je vais le tuer lui, je pense. Il a un HP. Hop. Mort. On se fait spam par une autre équipe, viens. Il est low. Mort. Mort. GG. Bien joué, chef. 80. Il est sur la colline. Ouais. 80 crack. Ouais, je me pote. Je vais y tirer dessus là. Je mets du champagne moi si tu veux. J'arrive. J'essaye de voir où il est. Moi je peux pas viser ses pieds. Ok, sa voiture hein, sinon. Il a pris. Il a drop de la voiture. Je mets du champagne, Je le baise, il est moins fort. Wow. Il est derrière la voiture. Enfin, derrière la pierre. Mort. Oh, t'es vraiment cette machine. Je vais t'aider, attends, j'arrive. Le mec a 12 kills quoi, j'en sais. Oh la. Vas-y. Et boum. Non mais t'es un fourbiqué en vrai, j'ai capté. Arrivé, t'as dit ouais putain c'est ça a changé tout le jeu. Plus là il avance, plus ça raconte des. Ouais mais j'avais un peu joué avec des potes vraiment fort au jeu il y a 2-3 mois. Ah mais si, mais le champagne et tout, ça me sort des termes techniques frérot. Le mec, ouais, il a juste pas la saison. Ah ouais, c'est trop technique le champagne. Frérot, c'est pas ça le nom du truc de base. Oh bah désolé d'avoir regardé un cast hein. Ah viens dans la voiture. Ah dans mon livre t'as joué frérot. Et boum, ok, y'a des gens en face. Ouais, et eux ils ont une tourelle par contre. Total. Oh les bâtards. Fume la voiture, fume la voiture. Ouais, j'essaye. Ah. Oh. Ok. Ah, oh, j'ai que des armes que je sais pas utiliser. Ok, y'a le mec. Y'en a un dans le fort de poche. Ouais, il est au top. Ouais, pas j'ai pas mes touches pour. Ok, attends, juste je mets heal. Je peux mes touches pour les mini potes. Allez. Ils sont les deux low, les deux low. Ah. Très très low les deux, très très low. T'as un bon, tu clutch. Ah mais en fait, j'ai plus de balles. Ah, en fait j'avais que des armes que j'avais pas utilisées. Du coup j'étais en mode bah, comment on fait? Après, on a fait 18 kills hein. On a fait vraiment beaucoup de kills. C'est rentable hein. Dommage ça. J'ai que des armes, j'aurais dû garder mes armes de merde. Ah moi j'arrivais pas à me heal. Depuis tout à l'heure on enchaîne tellement de monde. On les a massacrés. Putain, c'est rigolo quand même. C'est quand même assez rigolo. En vrai, en fait, ça fait cet effet là le premier jour. Mais ouais, pour les mecs qui jouent vraiment, je sais pas, c'est les gens dans ton chat qui jouent tout le temps au jeu. Ah ouais, non, mais oui. Genre, si tu leur demandes ce qu'ils pensent de la saison, c'est vraiment pas la meilleure. Ouais, je pense que c'est une catastrophe quand tu joues beaucoup. Mais après, mais ça va être nerf en vrai, tu vois. Après, c'est l'objectif. En fait, je pense que c'est souvent l'objectif des. D'Epic Games ou des jeux comme ça, c'est-à-dire que les jeux où il y a des communautés qui sont trop forts, ils essaient d'attirer les nouveaux joueurs et du coup ça dégoûte forcément les joueurs trop forts et ouais. Des jeux comme ça. Après je pense que tu vois les kids tout ça ils kiffent de fou. Ah genre, mais oui, non, mais je pense que t'es un gosse. C'est marrant, mec. Ils ont des voitures machin, il y a des tourelles. Mais de toute façon ce qui peut faire gagner les gens moins forts c'est exceptionnel. Ou genre comme ça. Quand t'es moins fort et que tu gagnes. J'étais revenu au lobby, mais ça m'a relancé la game. Ouais, ça me met waiting for party leader.
Ouais, faut que tu retournes au lobby. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en no build? En no build, en fait, justement, vu que... Parce qu'en fait, c'est vraiment en build où c'est un jeu, parce que ça sert plus à rien de construire, tu vois. Ah, ok. Avec les voitures qui te rentrent dedans, oui, les gants de vaille, tu passes à travers tous les murs, tu casses tout aussi. T'as un autre truc aussi que je t'ai pas parlé. En vrai, là, ça va pas servir à grand-chose, je pense, aujourd'hui. Mais en gros, t'as une sorte de... Je sais pas, une sorte de splash, mais c'est pas une splash, c'est une sorte de nitro, voilà, c'est un nitro. C'est un truc que tu peux jeter à tes pieds. Et en fait, quand t'as ça, ton sprint passe à travers toutes les constructions. Quoi ? Ouais. Ah ouais. Donc vraiment, juste, tu cours tout droit et un peu en mode Hulk et tu passes à travers tous les builds que tu veux. Ok, c'est incroyable, d'accord. Donc, en no build, ça sert pas à grand chose, mais en build, c'est horrible. Vraiment horrible. Ok, ah mais putain, mais c'est une dinguerie. Ouais, c'est... ou alors en vrai, aujourd'hui, tu peux l'utiliser pour la rotation, tu vois. Mais bon. Attends, mais quand tu dis à travers les... Quand tu dis à travers les constructions, c'est-à-dire à travers tout. C'est-à-dire même les buildings, les trucs comme ça. En fait, quand tu cours, je crois que t'infliges des dégâts. Mais par exemple, si t'as que des trucs en bois ou en pierre, je crois que tu passes à travers tout en one shot. Ok. Et il me semble que le métal aussi. Après, t'as des constructions sur Fortnite de base, c'est des buildings qui sont qui ont plus de 400-500 HP. Ok. Mais globalement, juste tu cours, tu sprints et... vachement mal quoi. Ouais, le métal c'est deux coups en fait. Ouais. Je sais pas quel skin je vais mettre ce soir. Est-ce que je fais le OG? Est-ce que tu fais le OG? Moi je sais pas ce que je vais mettre non plus. Est-ce que je fais le troller? Putain, ouais. De toute façon, je suis dans une voiture, personne verra mon skin. Personne ne verra mon skin de la game. Par contre, je pense qu'il y a vraiment un monde où dans ma stratégie du bus, il y a vraiment, je pense, 5-6 mecs. Hein. OMG, mon gars Vegeta. Ça va être bizarre l'ambiance hein. Quand on va être 8 dans la voiture là et qu'on va arriver en mode c'est moi, je suis arrivé en premier. Mais oui, mais c'est vrai, il va y avoir ce moment horrible où les gens vont être en mode c'est moi qui ai la voiture en premier donc je pars pas. Et du coup, c'est celui qui pilote. Bah non, je pense que c'est celui qui pilote qui a la prio. Bah ouais. Mais du coup, il se passe quoi si t'as un mec qui lâche sa voiture une demi-seconde et les deux rentrent en même temps, enfin. C'est un enfer. Moi je te dis, hein, une voiture qui fonce à fond sur moi, je pense que je rentre dedans et je ressors pour dodge le coup, tu vois. Non mais... Ça va être un enfer. Ça va être une soirée. Ah franchement, et vraiment, mettez du respect sur les organisateurs. Vraiment. Quelle vie éprouvante ils mènent à chaque tournoi, frérot. Y'a toujours un truc. Petit nitro d'homme. Vas-y. Comme ça, tu vas connaître le pixel drop. Mais mec, c'est vraiment ça, hein. Mais attends, mais il faut que je tweet. Hein. Je pense vraiment qu'il y a au moins genre 5-6 mecs qui vont spawn ici, je pense. C'est mon spawn, hein. Don't spawn at Nitrodrome, hein. Après, c'est t'as peut-être le truc de. Tout le monde va se dire, ouais, il y a forcément des pros, ils vont aller dessus, donc on va pas y aller. Et tout le monde, c'est juste étoile. Étoile, le chef du spawn. Vraiment. Mais que j'ai rien à perdre. Moi, je dis, mon objectif ce soir, c'est de faire top 60. Non, abuse. Les top 60, c'est exceptionnel. En fait, je veux juste pas faire une Antoine Daniel qui avait fait top 97 à un FFS PUBG. Tant que j'ai pas fait ça, j'ai gagné la soirée. Non, mais top 60, c'est chaud, vraiment, je pense. C'est vraiment possible, je pense. Hein. Oh, je me suis fait revenge. Oh, le bâtard. J'ai tué un mec, mais il y avait son mate. Ok. Il y avait son mate. Dégoûte. Mais ton skin est incroyable. Ouais, c'est un petit skin de troller là que j'ai senti. Oh ah. Bah tu vois, ça dégoûte. Ça dégoûte de ouf ça. Ça devrait pas être normal ça. Ça dégoûte. Non, en vrai c'est normal, c'est juste que vu que tu vois, t'as vu le spawn, y'a de la musique dans tous les sens. Ah ouais. Et vu que t'as des bots, même si t'as les bruits de pas, tu sais jamais si c'est un bot ou un joueur. Ah mais c'est tellement notre spawn mec. Viens ce soir, viens ce soir, on spawn tous les deux à Nitrodrome et on se règle. Non, moi j'ai mon spawn à moi. En fait, Nitrodrome, vraiment, c'est un enfer parce qu'il y a tellement de petits recoins, des endroits où tu vois, là je suis sorti d'un toit, il y avait deux mecs, je savais pas où ils étaient. C'est trop dur ce spawn, trop dur. Il faut se régler, mec. Ah, mais t'inquiète, on se réglera quand je serai dans mon pick-up installé. Ah oui, d'accord, mais ton pick-up. Et du coup, il y a qui comme pro ce soir? En vrai, entre. Y a des mecs, c'est pas des pros, mais genre vraiment ils spam. Imo, y a vraiment, je pense, 15 mecs
20 mecs très forts dans le tournoi, je pense. Ouais, c'est ça. Une vingtaine de légendes, je pense. Ouais. Ah, c'est pas vraiment des légendes, mais je veux dire, comparé aux autres, c'est Thanos, hein. Ah, c'est ça. Nous, moi, je pointe sur le bus. Putain, les gens, ils commencent à tweeter leur spawn et tout. si tu veux savoir, Emir n'est pas des Nitrodromes. Il a tweeté qu'il allait au spawn, je crois, c'est celui-là. Ring. Attends, mais Emir, il fait un tweet sérieux premier degré pour une queue pour... Non, c'est même pas son tweet, c'est pas pour dire ok, je vais ici, c'est en mode qui, ni de quelqu'un, il me dit en anglais, hein, ni de pixel drop for this map quick. Je te jure, c'est ça, Nitrodrome tonight for Zerator's Cup. Ni de drop map. Don't contest. Ni de coach for landing here. Putain, j'ai tweet. Non, mais je baisse tout le monde, hein. C'est mon spawn Nitrodrome, hein. C'est vraiment ça, hein. Le mec qui a fait la World Cup Nobile. Ouais, non, mais les gars, moi je me mets pas dans les fraudes. Je suis pas dans les mecs qui jouent vraiment beaucoup actuellement. L'année dernière, j'ai spam, j'avoue, je reconnais. Arrête, bon. Est-ce qu'il y a réellement besoin de spammer? Vas-y, on retourne à la petite voiture, là. À part si t'es encore en train de faire ton tweet de Max. J'ai fait mon tweet Nitrodrome, du coup moi je vais Nitrodrome. Enfin, ce spawn il a l'air mythique. Ouais, c'est pour ça qu'il spawn là-bas. Après, en vrai, non, s'il a l'air mythique, ça va être fort quand même. Hein. Viens, Nikoff, on fait ce que les joueurs trop forts font. Toi, tu fais ton spawn à la voiture, et moi je reste à Nitrodrome et je survie. C'est vraiment ce qui va se passer. Je sais pas, on va bien voir les mecs. Moi, je pense vraiment que ça peut être une bonne stratégie ce que je veux faire. Et si jamais je vois que première game c'est vraiment le bordel, il y a toute la map, bon. On tentera quelque chose d'autre. Putain, mais le bordel que c'est, Nitrodrome. En fait, je me dis, même si y a un mec qui fait ça, il suffit que je rentre dans la voiture au bon timing et je suis trop bien alors. Mec, tu sais que j'ai les gants de vie. Ah, puis c'est loser. Attends, mais t'es mute? Allô? Merde, je suis mute depuis tout à l'heure, je t'explique. Mais t'es vraiment mute depuis tout à l'heure? En fait, je suis à Nitrodrome, mec. Et quand j'ai la voiture cheatée, moi. Ok, je suis à Nitrodrome et j'ai les gants de vie. Ok. Bah, j'arrive, je viens te chercher, on a une voiture broken. Et limite, on peut jouer double voiture. Comme okay. Ça, je traîne une voiture solo. Attends, c'est compliqué là. Ah, ok, c'est bon. Je suis là vraiment dans 10 secondes. Je suis là. J'ai que les gants, mec. Ah, regarde, monte dans la voiture, fais t'amuser. J'ai que les gants. Ah oui, ça aussi, ça va te servir. Tu vois ces petites plantes là? Les petits cactus comme ça? Ouais. Si tu les casses ou tu les écrases en même en voiture. Ah, ça donne du. Oh. Ça donne 30 de vie ou de shield. Ah, et ça se régénère aussi. Ça, les trucs repoussent. Et il y en a un peu partout sur le désert. Est-ce que je peux piloter un peu? Vas-y. Du coup, j'ai pas beaucoup piloté. Oh, t'es trop mignon, t'as fait le tour. Bah t'es si RP. Bah j'avais bien. T'es si RP. Je t'ai vu, mec, je suis RP. T'es tellement RP. Non mais vraiment, premier degré, j'ai jamais vu un mec faire ça, je pense, de ma vie entière. J'ai pas la touche. J'ai pas la touche. C'est du jamais vu ce que je viens de voir. Mais je suis un streamer RP, hein. Non mais c'est... Ok, là, derrière. Ok, au calme. Ok, tu gères. Calme. Hop les... Magnifique. Voilà, vu qu'on est pas public, quand tu vois des cactus comme ça, n'hésite pas à rouler dessus. Oui, c'est vrai que j'ai oublié. Voilà, c'est pas très grave. Et boum. Nitro. Reload. C'est vraiment la vie de rêve, hein. C'est vraiment bien ce qui se passe. Petit cactus. Voilà. Tu peux avec espace, t'as une sorte de frein à main aussi. Y'a des mecs sur le bus, viens, on se le farci, on les focus. Vas-y, ouais. Go. Ok, le wallet, j'aime bien. Bah, je suis un joueur trackmania, hein. Ouais. T'as pas fait la map qu'ils font tous là? Non, c'est trop long, mec. C'est vraiment trop long. Et je suis pas assez fort. Et je me régale sur les lives de Bren, hein. Ah, vraiment, qu'est-ce qu'il est fort. C'est incroyable. Après, Bren, c'est vraiment un alien, hein. Oui, c'est pas la vraie vie, Bren. Attends, mais ils sont où là? On se met bien avec les cactus. Bah là, on s'est remis full. En fait, on faut retourner à l'intérieur, je pense. Ils sont dans l'arène.
Ah, il fait vraiment. J'en reviens pas de ce qu'il vient de faire, vraiment. Je suis à mes carpés. Ok, moins 130. Moins 130. Il doit être là. Ah, ils sont. Ah, ils sont en fait, ils sont à l'intérieur. Vrai, tu peux monter, je pense, avec ça. Comme ça, on va chercher le bot. Vas-y. Là, oh, y'a un mec. Juste à côté, nice. Ouais, il est marre, il est marre. On va là. Ouais. Bah, reste dans la voiture, hein. Fais pas chier, je pense, hein. Ah, Attends, je voulais le fumer comme ça. Ah, je te le fume avec la voiture, comme ça tu le lootes. Ok. Il a un HP. Oh, y'a un mec. Oh my bad. Oh my bad, j'avais pas de pompe. Je suis mort. Arrive. Il a pris le médaillon, tue-le. J'ai aucune arme, gros. J'ai aucune arme. T'as pas d'arme? Bah non. Aïe. C'est mon plan de jeu, moi. Putain, il a pris le médaillon. Attends, mais après, c'est pas grave s'il a volé le médaillon. Le médaillon. Oh, je suis coincé. Petit res. Il est où, tu le vois ou pas? Non, il est reparti. Je pense qu'il est parti open la. Oh, pour la voiture. Je crois qu'il est vraiment sûrement dans une seconde là. Jamais. Ouais, attends. Il est un peu au-dessus, ouais. C'est pas lui. Magnifique. C'est bizarre, mais on se prend un pont pour moi ou pas? Non, t'as pas? J'ai rien du tout, mec. Oh. Je te suis de manière menacente. Ok, tu menaces. Putain, il est trop. Mais ton skin est incroyable, hein. C'est vraiment le meilleur skin du jeu. Hein. c'est vraiment le pire. T'as Regarde, tout le monde me voit. Oh, il vient de res. Aïe. T'inquiète. Bon, encore, je suis là. Je suis là, je le tue. Hein. Ouais. FF. Toi. Ok, c'est magnifique ce que je fais. Et bon, mais moi, ce qui se passe. Ouais, il m'a gantelé. Il est low en vrai. Il est juste en dessous de toi. Allez, tu fais. FF! J'attends. Clic droit si tu veux remonter. Magnifique. Dommage, mais par contre, le gant, il faut savoir l'utiliser quand même. Parce ouais, c'est pour ça que je te l'ai donné. C'est vraiment. En fait, clic droit, tu t'envoles et clic gauche, genre juste tu lâches en avant et tu fais des dégâts. Et sinon, c'est fort. Après, c'est mon spawn nitrodrome le problème. Ah, ils ont confirmé véhicule autorisé. Mais attends, mais est-ce qu'il y a encore le. Non, ils ont toujours laissé la règle. Ouais, ils ont laissé. Mais du coup, ouais, ça va être un peu. Bon. Ok, on a le temps de faire une dernière game, je pense. C'est vraiment. Allez. Les gars, je sais pas quoi faire comme strat. Est-ce que. Les. Tu sais s'il faut être sur le Discord ou pas? T'es pas sur le Discord? Bah, tu sais, il fallait. Non, mais je veux dire, en vocal. Ah non, tu peux faire ce que tu veux. Ok. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. Ok. Je pense qu'il y a rien d'urgent. Je vais mettre un skin bien de pro, comme ça, ça va faire peur à tout le monde. Et boum. Comment ça s'appelle? En vrai, étoile, vraiment, mets un skin de pro. Je te jure, au moins, t'as une sorte d'immunité autour de toi, genre. Ah ouais? Mais c'est quoi les skins? Mais je l'ai pas, moi. Tu sais, c'est le skin... Le skin... Là, c'est le super-héros ou pas? Je crois que j'ai aucun skin super-héros. Ouais, c'est pour avoir le... Enfin, je vois ce qu'ils font, mais je l'ai pas. J'avoue que ça, c'est abusé. Ça te donne vraiment une aura de fou. Ah ça, frérot, je terrifie le lobby, je pense, avec ça. Ouais, ouais, c'est ce skin-là. Mais ils sont plus dispo, ouais, ça c'est incroyable. Je crois qu'ils sont toujours dans la boutique, eux. Les skins chaussettes. C'est les skins chaussettes, c'est incroyable. Après, il y a le skin carte banane, c'est vrai. Ok, dernière game. Est-ce que t'as un plan B que t'as envie de train? Un spawn au cas où? Nitro, c'est vraiment trop dur. Je pense que au cas où. Je pense qu'au cas où c'est mon. Oh, c'est mon spawn grand glacier, mec. C'est comment grand glacier? Oh, je pense que ça fait 6 mois que j'ai pas spawn là-bas, je pense. Je serais même pas de dire si c'est bien. En vrai, ça reste ok, à mon avis. C'est de la nobile, hein. Faut juste que tu chopes des armes et bonne chance. Hein. C'est l'intelligence de jeu, mais. Mais toi, c'est quoi ton spawn à toi, genre quand tu joues tranquille? J'ai pas de spawn. Ah, t'as pas de spawn, okay. Mais vraiment, je te dis, ah là ouais, ça fait genre. Beaucoup, oui, c'est vrai. Je sais pas, les 5 dernières saisons Fortnite, je joue genre le premier jour et après je. Juste, je regarde les joueurs et je joue vraiment très très occasionnellement, quoi. Vas-y, c'est Reckless Rail, ouais, c'est parti. Reckless, vas-y. Juste parti. Viens, par putain, c'est là, Reckless.
Ah, y'a Hardskill Grand Glacier. T'as peut-être plus trop envie d'y aller, je pense. Putain, ce que je lui fais à Hardskill, hein. Mais en vrai, c'est un peu la honte si Hardskill ou Emir, ils gagnent pas, non? Bah... En vrai, le mec qui a vraiment le plus d'heures de jeu là de la saison, le mec qui connaît le mieux la map, les items, tout, je pense que c'est Emir. Il lance ce bâton infini, tu sais, ah, genre... Ah oui, d'accord. Et du coup, mais... Après, ouais, t'as des mecs qui jouent... Et bah ils sont pros quoi, ils jouent vraiment tous les jours en ce moment, tu vois. Encore dans leur carrière. Après frérot, c'est des mecs qui sont pros en build. Ouais c'est vrai. Ça va être des monstres en no build, mais je veux dire... Ouais c'est, ça. Ouais, c'est pas la même chose quoi. Ok... Il est incroyable ce spawn. Ouais c'est pas mal. Il a 50 HP. Une seconde, je suis là dans une seconde. En fait, il est trop fort, il a le skin super héros. Ça se sentait... Putain, t'as fini direct? Ouais, mais ça sentait qu'il savait jouer. Putain, il avait 50 HP. Ah, je pense que je prends ça, hein. Les gens sont forts. Magnifique. Ah, vous avez de la vie infinie? Mais attends, mais... attends, mais ils sont invincibles. Ah. Attends. Je pense que c'est des bots, c'est pas possible. Non mais en vrai. Mais t'as pas peur de. Moi je me dis, quand les gens. Tu sais, quand je suis sur n'importe quel jeu et que je fume quelqu'un et qu'il a l'air vraiment nul et que je dis non mais je pense que c'est des bots, j'ai trop peur de me dire, imagine il lance Twitch, il se dit oh putain c'était Nikov. Et la première chose qu'il entend c'est ouais non mais il pue trop de la merde, ça doit être des bots. Non frérot, je pense que vraiment. Non j'avoue que c'est chaud quand même. Mais après, je pense que tu vois, comme toute leçon dans une vie, ça te fait évoluer, tu vois. Bah. Ce mec-là, après, il va se dire, putain, peut-être il va me détester et genre ça va devenir le plus grand antagoniste de l'histoire. Ah, putain. Mais au moins, il va step up, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, t'es en train de dire que tu préfères le blesser quitte à ce qu'il arrête de puer la merde. Non, je vais le faire évoluer. Ah ouais. Ok. Bah franchement... Non mais frérot, non mais soyons honnêtes, Étoile. Bon là je vais vraiment passer pour le connard, mais je pense qu'un humain comme ça n'a même pas... ne sait pas ce que c'est Twitch ni rien. Non, vraiment, il tu l'as vu. Mais bro, tu sais pas ce qui se passe, ça se trouve, il était en train de répondre à... Il était en train de répondre à son téléphone, peut-être qu'il avait une journée difficile... Ah, elle était vraiment difficile la journée. Bah en fait tu... Non mais là, attends, tu t'en... Mais même, non, ok, peut-être un des deux, d'accord. Peut-être un des deux, mais là, il est en train de... Champagne, t'as bien vu, j'ai eu le temps de mettre tout mon chargeur de fusil à pompe combat. C'est 8 balles, hein. Mais peut-être que les deux, peut-être que les deux, ils sont... Oh, y'a un mec qui nous tire dessus. Les deux, ils sont dans la même salle. Ils sont peut-être en meeting, hein. Peut-être en meeting, peut-être c'est un couple, voilà, ils sont en train de se mettre ce qu'ils méritent. Bah justement, s'ils mettent ce qu'ils méritent, il y a aucune chance qu'ils aillent sur Twitch en mode... Oh, tu vois, c'était Nikov et toi, tiens. Et genre ça se pose sur live et tranquille ça finit les bails. Bah on sait jamais mec hein. Ah c'est vrai. Ouais on sait jamais. Putain. Bah tu vois on a une voiture de merde. Genre regarde. Voilà. Là on a des petites des okay, petits trous en mieux. Ouais. Ça regarde, ah oui ça c'est important. En gros ça remet la voiture full vie. Ok. Et là y'a pas d'autres caisses ici mais putain, en fait mais... tu vois ça respawn genre. Les emplacements ils sont fixes. Donc ah les pros ouais. Ça ils vont connaître, moi je t'avoue je sais que c'est un peu autour des trucs verts là comme ça je crois. Mais attends mais le jeu est devenu... Mais il y en a un peu partout hein. Ok. Et du coup tu sais genre pour rejoindre des games c'est genre t'ajoutes ton bot War Legend et c'est comme ça. Aucune idée frérot. Ah mais par contre mec t'as pas fait le... Si j'ai fait le register mais en fait... Ce truc-là, moi, ça commençait vraiment à arriver à l'époque. Ok, mais moi j'ai commencé à arrêter, donc j'ai très peu fait. Mais du coup, t'as ajouté le bot. Vas-y, conduite de speed. Tu me rappelles, c'est quoi ton métier? T'es Head of Fortnite pour Gentleman, c'est ça? Head of Bot Clé War Legend, frérot. Tu es représentant Fortnite de la structure de Brox Squeezie. Putain, merde, j'avais pas vu. Non, mais moi je me suis dit, ils allaient me donner une clé comme à l'ancienne. C'est bon, je l'ajoute. Au calme. Au calme. Je l'ai peut-être déjà en ami, ça se trouve.
il est pas obligé d'ajouter de bot si Recon et qu'il le copie, c'est bon. Bah nous on a dit qu'on était d'amis envoyés. Ok, c'est bon, j'ai demandé. Nous ils nous ont dit qu'on était obligé d'ajouter le bot, mais c'était peut-être parce que ils partent du principe qu'il y a des gens qui comprennent rien à Fortnite. Oh, fallait pas que je monte le bot. Non, on s'en fout. Non, on s'en fout. Parce que en fait c'est le bot qui est lié à ton compte. Du coup les gens ils peuvent pas l'avoir à l'ami. Attends, vas-y, roule sur ça. Qu'est-ce qu'il y a? Derrière toi, regarde, t'avais une caisse. Ah, j'ai pas vu. De comment on appelle ça? Pas de pare-brise, de chasse-pierre, la chasse-neige. J'ai pas vu. Co-catcher. Pas mal. Maintenant, il nous manque juste une tourelle et on est bien. Ah, c'est vrai qu'on a pas de tourelle, ça fait et chier. Et on est bien. Ça tire à droite, non? Ouais. Ouais. En pied, ouais. Putain, c'est bro. C'est tellement broken le fait de pouvoir savoir où est-ce que les gens tirent. Ouais, oh, incroyable. C'est fort. Mais tout le monde va jouer avec ça, hein. Oh ah, là, on peut pas vraiment les challenger, hein, tant qu'on a pas touré le. En fait, ils sont nuls, hein, ils sont tout rasés. Ouais, et imagine, ils arrivent sur le live, là, ils voient étoile. 3 heures de jeu sur Fortnite overall dans sa life qui arrive. Ils disent, ouais, par contre, il pue la merde. Imagine à quel point tu les blesses toi aussi. Bon, non, mais parce que tu fais la morale, mais bah, tu te rends compte à quel point ça peut être blessant ce que tu viens de faire. Tu te rends compte que ça peut être blessant, mec, pour les gens du gentleman qui te payent un salaire et qui se rendent compte que tu sais même pas ajouter un bot pour faire une cup. Mais mon métier c'est pas d'ajouter les bots pour faire la cup, c'est les joueurs qui font la cup. Tu te rends compte que Squeezie devant son écran là, il en peut plus, mec. Squeezie il est même pas au courant qu'il y a un bot sur Fortnite, je pense. Bah je peux. Là Squeezie, je peux te dire que ça va être dur pour lui là. Putain, il est 59, mec, c'est l'heure. Ouais, j'avoue, il y a peut-être un monde. Et bah franchement, dommage la game, hein. Close game. Ouais, c'est 59, à ce on va se faire se retaper sur les doigts. Écoute, allez. Bah franchement, Nikov, merci beaucoup pour l'entraînement. J'espère que grâce à ces informations, tu vas faire au moins top 90. C'est vraiment terrible que tu sois le seul non-pro qui ait chopé toutes les infos avant et qu'il se passe pas une seule game. C'est vraiment terrible. Et bah, c'est exactement ce qui va se passer. Je vais faire top 80, mais je vais gagner le Twitch Rivals Multiversus et ça va être bien. C'est tout ce qui compte, mec. Ça va être exceptionnel, hein. FFS Fortnite, Zerator et Twitch Rivals à 23h. Grand respect, merci beaucoup, Nikov. Bah, on s'attrape, hein. Vas-y, bisous. On s'attrape des fois entre les games. Entre les games, entre les games on fera des games entre les games quand on sera mort. Bah ouais, et boum. Grand respect, mec. Bisous. Vas-y, gosse, bisous. La team, je vais faire pipi, on y va. Ça va être très rigolo. Vous êtes les meilleurs. Je fais un petit pips. Je fais un petit pips et on y va. Je pense qu'on va bien se marrer en vrai. Shadows fall over my heart. I black out the moon. I wait for you to come around. You got me dancing in the dark. I've closed my eyes. But I won't sleep tonight. Maybe you should come with me. I'll take you to the dark side. Me and you, you and me, do bad things in the nighttime. Maybe you should come with me. And we can kill the lights. Hit the lights, let it black out. Black out, hit the lights, let it black out. Black out, oh. Black bird, black moon, black sky. Black light, black everything black. Black heart, black keys, black diamonds. Black out.
Attendez, je suis en retard, non? La game s'est peut-être lancée sans moi, ce serait mérité. Comment on fait pour monter? Attends, il faut faire ça. Comment on fait? Comment on fait? Attends, mais je sais pas comment on fait. C'est perdu. Comment on fait? Parce qu'en fait, il est censé m'ajouter, non? Comment on fait? À l'aide. Comment on rejoint? Bah la game va peut-être se lancer sans moi, hein. Tant pis. Et du coup moi j'ai ajouté le bot mais il m'a pas ajouté en ami. Parce qu'en fait moi je peux pas le rejoindre le bot. Ou est-ce qu'il faut... Ouais. Ouais ça marche pas en fait. Ça marche pas. Bah je crois que c'est FF hein. Ouais. J'arrive pas à join. OMG la première game sans moi. C'est la vie de rêve. Bah en fait je vais sur le Discord mais ça join pas. En fait j'ai ajouté le bot. J'ai ajouté le bot mais je sais pas quoi faire. Image de profil en haut à droite. Bah ouais. Bah je sais pas. Bah, ça marche pas. C'est pas grave, je fais la game 2. Je fais la game 2, c'est pas grave. Attends. Et ouais, ça marche pas. Bah ça marche pas. Bah en fait, solo. Solo, zéro build. Ouais, ça marche vraiment pas. Donc, rejoindre le groupe. Ouais, c'est ça. Bah. Est-ce que c'est là? Bah ouais. Et là, j'essaye de join. Ah, ok. D'accord. Ok. J'avais pas compris, je suis un peu con. Je suis un peu con. Ok, c'est bon, je suis juste con. Ok. J'étais juste débilo. OMG la game? C'est un peur d'ablan. Hein. C'est juste imperdable, je pense. Je pense que c'est réellement imperdable. Est-ce que je fais mon spawn nitrodrome et je meurs? Je pense que c'est vraiment ce qui va se passer. Hein. C'est bon, normalement je suis dans la game, c'est gagné. C'est gagné. Je pense que je fais mon spawn nitrodrome. Hein. Je pense que je fais mon spawn nitrodrome et c'est parti. C'est vraiment tout ce que je recherche. Spawn nitrodrome, into mort, into vie de rêve. C'est vraiment ce qui va se passer. Est-ce que vous avez vu, parce que j'ai vu que Jiraiya a testé Multiversus, vous savez ce qu'il en pense? Parce que je pense que Gigi qui vient de mêler, il va détester le nouveau. Mais je serais bien curieux de savoir ce qu'il pense de Multiversus. Hop. Non mais je pense que mon premier spawn, je vais faire un spawn safe. Et après je vais voir. Mais je pense que Chevalier Noir c'est un bait comme skin. Vas-y, je pense que je garde mon Chevalier Noir en vrai. Après je pourrais être le GOAT. Je pourrais être le GOAT mais bon.
j'espère. Ouais, je pense que je vais garder celui-là. Par contre, il y a combien de games? Parce que moi, du coup, à 22h50, il faut que je me barre. Ah, mais en fait, l'Inca, il a pas setup son truc. L'Inca, il a pas setup son truc, du coup, il va être grave en retard. Les 5 games, c'est FF? Bah, de toute façon, Zerator, il m'avait dit... Mec, t'inquiète, si t'es en retard, tu peux ne pas faire la cinquième game. Je pense que c'est vraiment ce qui va se passer. Hein. Je pense que c'est réellement ce qui va se passer. Hein. C'est 20 minutes une game. 20 minutes, tu penses? Bon, de toute façon, on verra, mais... Pour moi, c'est un peu plus long. Ouais, c'est un peu plus long que 20 minutes. C'est un peu plus long. Bon, est-ce qu'on peut jouer, s'il vous plaît? S'il vous plaît. En une semaine, 3 teams FR qui recrutent des joueurs de Versus Fighting comme s'il y avait un certain jeu Riot qui arrivait dans un an, tiens. Je pense qu'il y a de ça et... Et aussi, il y a le fait que. Bah, il y a énormément de circuits de fous. En fait, il y a des circuits internationaux de fous qui arrivent, quoi. Donc, c'est normal. Mais c'est très cool. Je suis très content que Kills You soit la K-Corp. Je trouve que c'est vraiment une addition de fou. Il est vraiment fort, hein, en plus. Il est vraiment très, très fort. Mais les deux qui ont join sont très forts. Hein. C'est vraiment quelque chose. Je pense que JC c'est grave. Hein. JC d'hier. Mais c'est fou qu'ils aient chopé. C'est fou qu'ils aient chopé JC d'hier quand même. Parce que c'est vraiment une. Enfin, c'est une légende quoi. Il a vraiment un palmarès de zinzin. Après, c'est un joueur à l'ancienne, enfin t'as compris. Pas à l'ancienne, parce que bon, il reste quand même extrêmement fort, mais c'est un joueur qui. Je crois que son premier titre. Enfin, il a gagné le Pro Circuit en 2012, quoi. Il a gagné en 2012, donc c'est vraiment une dinguerie. C'est un réel vétéran. C'est vraiment un réel vétéran. C'est grave quelqu'un. J'avoue que les deux recrutements sont incroyables. En fait, ils ont fait, dans le recrutement Versus Fighting, ce qui aurait dû être fait sur Smash s'ils avaient pu, mais ils ont pas pu, en fait. C'est ça, le truc. Mais une légende et un Français, qui est aussi une légende, mais... ouais, non, j'essaie, c'est vraiment grave. C'est vraiment très, très grave. Ok. Quand est-ce qu'on joue? Quand est-ce qu'on joue? Putain, c'est tellement mon rêve de jouer. Tellement mon rêve de jouer. Je veux juste jouer. Genre juste une fois. Une fois. Hein? Non mais je veux être top 70 moi. Top 70 c'est exceptionnel. Hein. Moi, de toute façon, là, l'objectif ce soir, c'est surtout multiversus. Hein. Je t'avoue que Fortnite, je voulais m'entraîner et tout, mais vu que multiversus est arrivé, ça m'a un peu baisé.
Allez, pitié, pitié. Pitié, pitié. Pitié. Que Nikov, ça doit être, en vrai ça doit être un peu stressant pour des boucs comme Nikov, Emir et tout, parce qu'en fait quand c'est ton jeu et qu'en plus c'est un peu, enfin vas-y, ils sont trop forts donc c'est pas random, mais il peut se passer des trucs de merde, tu vois, genre il peut se passer des trucs il peut se passer des trucs un peu chiants, donc je pense que ça doit être un peu relou à jouer comme cup. Ça doit être un mélange entre, c'est marrant parce qu'ils vont exploser des bambis et il y a un monde où ils font 35 kills par game. Mais tu peux te faire fumer pour rien, quoi. Putain, j'aurais trop aimé avoir le skin super-héros, quoi. Je vais pas acheter le skin super-héros. Putain. T'as trouvé ton main sur Multiversus? Bah en fait ça me casse les couilles, mes deux persos sont nuls quoi. Stripe est tout en bas des tier list et Jake est tout en bas des tier list. Du c'est vraiment, c'est vraiment perdu. C'est trop chiant quand les persos que tu choisis au début sont nuls. Mais je pense que je vais jouer... Stripe ce soir. Par contre, apparemment, la banane, c'est trop fort. Mais j'ai pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps de m'entraîner sur la banane, quoi. J'ai pas eu le temps. Allez. Allez. Est-ce que c'est possible de jouer? Vous voulez une vraie stat? Là, on attend depuis 9 minutes 49. Je sais pas si je vais être vivant 9 minutes 49 ce soir. J'ai vu Jake tier S dans une tier list. Non, mais le perso est vraiment pas ouf. En fait, peu importe ce que disent les tier list, vraiment, je l'ai joué et... En fait, j'ai du mal à comprendre l'équilibrage parce que du coup... Ils ont cassé les genoux de Jake, ils ont cassé les genoux de Tom et Jerry, mais ils ont laissé Bugs Bunny en vie, genre. Et ça m'a surpris. Wow. Wow, Astro World. Ah, j'ai des gliders stylés, en vrai. Il y a eu tellement de collabs Fortnite, c'est... c'est trop le nombre de collabs qu'il y a eu. J'aime bien mon... Mon parapluie de saison 1. Putain, en fait, j'étais en panique en mode ils vont lancer sans moi, mais... J'aurais même eu le temps d'aller au bar, là. J'aurais eu le temps d'aller au bar. Mais du coup ça va être full voiture. Je pense que la première game je fais voiture et les games d'après je m'en bats les couilles. Je pense que c'est ça mon play. Je hint ensuite. Départ à 20h20. Ok. Est-ce que je peux regarder la banane en attendant de Multiversus? Banana Multiversus. Attends. Multiversus banana. Attendez, je vais regarder. Faut que je regarde le gameplay. Faut que je regarde le gameplay. Faut que je regarde. Okay. En tout cas, le perso a un flow de fou.
C'est vrai qu'à regarder, c'est lent quand même. Je vous la donne. Mais à jouer, on ressent pas cette lenteur, c'est ça qui est fou en fait. OMG, le perso de fou. Le perso de fou. Ok, on voit pas trop les spéciaux là. Pour l'instant, les... la range a l'air pas mal, mais on voit pas les spéciaux. Ok, les spéciaux, ça a l'air d'être un peu comme Down Bad Bowser. En fait, la personne qui joue est no offense, hein. Mais elle est pas très... bref. Non, no offense, no offense, oh. No offense. No offense. Est-ce que si on voit ça... Ok. Attends, tu peux te... Ah ouais? Mais ça a l'air incroyable. Et... ça a l'air d'être assez... ça a l'air de frapper assez fort, hein. Ça a l'air d'être assez fort, hein. En fait, ça, ça a l'air d'être incroyable. Le upper comme ça. On va la jouer, hein. On va réellement la jouer, hein. Le perso est trop mignon.